There comes a moment in all of our lives where we either back down and tell ourselves and others around us that we can't do it. We don't have the skills. We don't have the knowledge. We don't have the money. We don't have the resources. And we go back to doing what we've been doing and settle for mediocrity, living below our potential. Or there's the other option. You decide within yourself that you are sick and tired of living the way you've been living. You stand up within yourself and make a full commitment. You're gonna fully commit to your dreams, to your goals, to your vision of the future. Jusqu'à ils ont fermé le toit du Bernabéu où ils ont pensé que les gens ne sauront pas ce qui s'est passé là-bas ce soir. On sait. On sait. On a tous vu. Les amis, 4-0 au Bernabéu. What the hell? Ce débrief il sera décousu, vous imaginez bien, parce que wow. Vous savez, déjà, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous portez bien. J'imagine que oui, vous portez bien après une victoire pareille. Beaucoup moins si vous êtes supporter du Real ce soir, vous êtes les bienvenus quand même sur la chaîne. On essaiera quand même d'être objectif, malgré tout. Mais vous avez, l'euphorie est là, donc vous allez me laisser aujourd'hui célébrer. Parce que franchement, quelle victoire. Vous savez, cette victoire elle me fait plaisir pour plein de raisons. La première raison, c'est, vous savez, après le match du Barça face au Bayern Munich, il y a eu beaucoup de chroniqueurs, de journalistes, d'analystes qui sont venus nous expliquer ici que le Bayern, ça, faire ça face au Bayern, c'est pas si impressionnant que ça. On verra s'ils réussiront à s'en sortir du Bernabéu, le Real Madrid, 15 Ligues des Champions, 59 Ligas, ils ont Lucifer dans les gradins, etc., etc. Les gars, vous savez, le foot parfois, c'est simple. Le foot, parfois, vous pouvez juste faire des analyses par rapport à ce que vous voyez, pas par rapport à des effets mystiques ou je sais pas quoi. Parce que le Real, je peux... Après. Est-ce qu'on peut vraiment vouloir à des gens qui ont peur de voir un Real Madrid en danger face au Barça, vu tous les rituels sataniques qu'ils font depuis des années, tu te demandes comment ils font pour gagner, mais ils gagnent quand même, quand ils sont mauvais, ils gagnent. Je peux comprendre que les gens soient, on va dire, aient de la réserve de voir le Real perdre, mais aller jusqu'à minimiser ce que le Barça a fait contre le Bayern Munich pour venir ici nous dire que oui, le Bayern Munich, c'était bien beau. Comment ça, le Bayern Munich, c'était bien beau? On parle du Bayern Munich. Regardez le Bayern Munich. Demain, ils jouent. Regardez très bien. Ils vont mettre encore une fois un score pour prouver que la victoire du Barça face au Bayern, ce n'était pas un accident. Vous avez vu Dortmund aujourd'hui? Ils ont fait taper encore une fois. Alors attention, c'est pas pour remettre en question tout ce que le Real Madrid a fait. Tout le monde connaît le Real Madrid. C'est un grand club. C'est le plus grand club peut-être même de l'histoire du football. Pas pour moi. Mais le Real Madrid a des problèmes depuis le début de la saison. Et la deuxième mi-temps contre Dortmund a fermé les yeux de beaucoup de gens sur les vrais problèmes du Real Madrid. Ça a berné, je pense, beaucoup de personnes parce que c'est Dortmund qui a offert le match au Real Madrid.
Donc, faire une analyse en mode « Ouais, on verra si leur ligne haute va réussir, va bien fonctionner face au Real Madrid. » Et le paradoxe, et vous savez c'est quoi l'ironie du sort, c'est que ce soir, le Real Madrid, c'est lui qui encaisse un but à cause d'une ligne haute. Le premier but de Lewandowski, je suis désolé. L'alignement, il est juste catastrophique. Donc, venez pas essayer de faire croire que vous connaissez les choses mieux qu'un coach expérimenté comme Hansi Flick. Jusqu'à Ancelotti a commencé à le supplier. Demande à tes joueurs de baisser, s'il te plaît. Demande à tes joueurs de baisser. Je rigole, c'est pas ce qu'il disait, vous avez compris, vous imaginez très bien. Il y avait un peu de tension sur le banc de touche. Mais wow, respectez Hansi Flick. Respectez Hansi Flick. Hans Dieter Flick, c'est un psychopathe. Vous savez, malgré tout, je trouve que franchement, la première période, elle était beaucoup plus qu'équilibrée parce que, je vous dis la vérité sincèrement, je ne m'attendais pas à voir le Real Madrid venir chercher le Barça très très haut comme ils l'ont fait. J'étais vraiment persuadé qu'ils resteraient derrière à essayer de chercher les contres à tout va. Ils ont essayé de le faire quand le Barça a réussi à battre leur pressing, mais ils ont été quand même très vaillants avec le ballon. Ils sont venus chercher le Barça très haut, ils ont fait déjouer le Barça qu'on voit depuis le début de la saison. C'est pas le Barça qu'on a vu durant cette première période, parce que le Real Madrid les gênait énormément. Et le Real Madrid défendait bien aussi. Après, en termes d'intensité, le Real, il y avait une grosse intensité sur la première période, et du côté du Barça et du côté du Real. Sauf que, à chaque fois que le Barça venait faire un coup de pression sur les défenseurs, les attaquants du Real, les milieux du Real, pour le coup, l'arbitre y sifflait, alors que dans le cas contraire, on laissait jouer. Donc c'était un peu, je trouve, à mon sens, l'arbitre, il laissait beaucoup trop. Peut-être, on est à domicile, Santiago Bernabéu qui siffle et tout, je peux comprendre, même si ça n'étonne plus personne. Mais franchement, une fois que Frenkie de Jong est rentré en deuxième période. Wow! Je te demande pardon, Frenkie de Jong. Mille excuses, Frenkie de Jong. Des gens me l'ont dit la dernière fois, je m'enflamme trop par rapport à Cubarsia Casado. Frenkie de Jong n'aurait jamais sorti un match comme celui de Casado face au Bayern. Franchement, je suis un con. Je suis un abruti fini. Comment ai-je pu douter d'un joueur comme Frenkie de Jong, s'il vous plaît, les amis, l'entrée de zinzin qu'il vient de faire. Wow! Frenkie de Jong a fait gagner ce match au Barça. Enfin, pas lui tout seul, vous aurez compris. Mais presque, en fait. Parce que son entrée a totalement tout changé. En fait, les défauts de Frenkie de Jong, ce qu'on lui reproche souvent, ben c'est grâce à ça, ce soir, en fait, que le Barça récupère le contrôle du ballon. En fait, le contrôle du match. Parce que Frenkie de Jong, il lâchait pas le ballon assez vite. Il gardait le ballon, il tournait sur lui-même, il participait comme ça à tuer le pressing du Real Madrid beaucoup plus facilement. Et ça les rendait fous, en fait. À chaque fois qu'il venait sur lui, il dribblait, il lâchait le ballon au bon moment et tout. En fait, je pense que le Barça a un problème de riche, alors que le Barça n'est même pas riche, le Barça est pauvre. Qui aurait pu imaginer ça il y a encore même pas un an en arrière, à peine quelques mois en arrière, avant le début de l'ère Flick? Qui aurait pu imaginer que tu sortirais avec un 4 buts contre le Bayern et un 4-0 face au Real Madrid dans son stade avec les Avengers? Parlons-en vite fait, Kylian Mpididi. Kylian. Je pense que le Real Madrid, je l'ai dit tout à l'heure sur Twitter, c'est peut-être la première équipe de l'histoire qui fait un transfert gratuit, mais qui se fait quand même avoir sur un transfert gratuit. Bravo. On n'a rien pu faire. Parce que Mbappé, on va pas se mentir, c'était le test ultime par rapport à la profondeur. Il a été intéressant dans les appels, mais pas mal de fois pris hors jeu. Il a eu deux occasions, deux face à face où il n'était pas hors jeu, parce que vous savez, le défaut de cette ligne haute de Hansi Flick, c'est que tu vas prendre un gars sept fois hors jeu, la huitième, il sera pas hors jeu. Et c'est comme ça que Mbappé se procure ces deux face à face. Mais Iñaki Peña, pardon, Iñaki Peña, pardon. Pardon. On va trouver un formulaire de demande d'excuses pour Iñaki Peña. Il m'a fait taire ce soir, facteur X, hein, Iñaki Peña. Sans lui, peut-être que l'issue du match n'est pas la même, parce que ça peut réveiller le Real Madrid. On a vu Vinicius commencer à haranguer la foule à 2-0. Allez, vamos, mon gars, on n'est pas à Dortmund, nous. Ça marchera pas, on n'est pas à Dortmund. Tu peux aller haranguer la foule pour prendre ton ballon d'or lundi si tu veux. Félicitations, t'as fait une excellente saison la saison dernière. Mérité ton ballon d'or. Mais nous, on n'est pas Dortmund. On a enfin un coach. Hansi Flick a bouffé Carlo Ancelotti.
il l'a bouffé. Mais encore une fois, on reviendra dessus par rapport aux enseignements demain. Je ne sais pas si l'enseignement fera 40 minutes comme la dernière fois, mais waouh, les amis, quelle humiliation, quelle joie d'être supporter du Barça aujourd'hui. Vous avez vu l'intro? Je voulais préparer juste pour vous, en fait, pour vous remémorer un peu de tout ce qu'on a vécu durant ces dernières années. On mérite ça, on mérite ce bonheur-là, on mérite ça enfin. On s'est fait trop vanner par les autres supporters, les autres communautés. Ça nous manquait de respect de partout. Même après le match contre le Bayern, je voyais des gens nous manquer de respect. Ce soir, faut nous respecter, en fait. Mais vous savez, le pire dans tout ça, c'est que le Barça doit gagner ce soir 6-0. Moi, je suis dégoûté, la vérité. Le Barça devait gagner 6-0. Robert, tu veux un doublé plus que Pichichi de la Liga. Mais frérot, le but, il est vide. Comment tu rates? Le but, il est vide. Ça m'a rendu fou, ça m'a rendu fou. En plus, derrière, quand tu rates une occasion comme ça à 2-0, tu commences à douter. Surtout que tu connais leur histoire avec la magie noire dans ce stade. Tu te dis, ils vont refaire peut-être le truc. Mais le Barça de Hansi Flick ne doute jamais. On est reparti du Santiago Bernabéu. On a gagné face au Bayern Munich, les amis, avec Iñaki Peña, Pau Barsi, Inigo Martinez. Trois joueurs qu'on voyait comme étant les points faibles du Barça. Ils sont ressortis indemnes du Santiago Bernabéu. Pedri qui continue à marcher sur l'eau. Casado, même Gavi à la fin qui vient voir Vinicius pour... Vinicius, tu rigolais il n'y a pas si longtemps qu'on parlait de nouvelle ère. Rigole maintenant ce soir pour voir. Rigole. Ah, ce soir, t'as pas le temps de rigoler. Ce soir, t'as que le temps de voir les buts rentrer dans tes cages. Les amis, quelle joie. Quelles émotions ils nous font vivre là en l'espace de quelques jours. Back to back, deux gros matchs comme ça. Tu les tabasses comme il faut, comme des gamins. La deuxième période, ils n'ont pas existé. Dani Olmo est rentré en costard-cravate. Limite, il venait jouer contre ses petits, Dani Olmo. Il perd des ballons faciles, il n'en a rien à foutre. Sur le prochain ballon, il va te sortir un caviar. Bref, les amis, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce match. Lamine Yamal. Lamine Yamal qui vient faire le calma au Santiago Bernabéu. Le calma au Santiago Bernabéu. 60 000 ou 70 000 places, je ne sais plus. Le gamin 17 piges, il n'en a rien à faire. Finition du droit. Impeccable. Ça nous a dit la dernière fois. Ouais, Alphonso Davies, c'est plus que c'était. On va voir face à Mendy. Il n'a pas... Lamine Yamal, vous savez, c'est quoi le plus fou avec lui? C'est qu'il n'a pas besoin que le match soit un match de Lamine Yamal. Je dois dribbler, je dois faire ci, je dois faire ça. Il laisse le match venir à lui à chaque fois. Et ce qui fait la différence ce soir. Il n'a pas besoin à chaque fois, un contre un, d'aller provoquer Mendy. D'autant plus que Kamavinga et Mendy, ils doublaient à chaque fois sur lui. Logique, tu ne vas pas laisser un mec comme Lamine, comme Vinicius tout seul. Mais il sent les momentum, il sent les actions à chaque fois. Il sent quand est-ce qu'il faut piquer. Et quand il pique, qu'est-ce que ça fait mal? Lewandowski, Pichichi, la tête, le centre de Baldé aussi, il faut en parler, mais la tête de Lewandowski, les amis, décroisée comme ça. Waouh! Je retrouve mon club. Je retrouve le Barça. La maîtrise sur cette deuxième période. Peut-être que la Liga est faible. Peut-être que la Liga est faible. Je rigole. Je vale un peu mon frère Riles, je rigole. Pardon. Faut pas faire les malins parce que la Liga est pas pliée. Parce qu'on est en train de jubiler tout ça, c'est parce qu'on célèbre à l'instant présent, bien sûr. Mais la Liga, les amis, elle est pas finie, la vérité. 6 points d'avance, tu viens d'humilier, certes, le Real. Mais on n'a même pas fait encore la moitié des matchs, la moitié du championnat. Il reste encore des matchs à aller. Donc attention quand même, faut pas trop tomber dans l'euphorie à outrance. Mais ça, je compte sur Flick. Mais ce soir, les amis, le Barça vient d'envoyer plus qu'un message.
Le Real Madrid, champion d'Europe en titre, personne n'osait les critiquer. Mais ce qui me fait encore plus plaisir, les amis, c'est que le Barça vient de stopper la série d'invincibilité du Real Madrid. S'ils ne perdaient pas le match de ce soir, ils auraient pris le record du Barça de 43 matchs. Ils étaient à 42. Et le Barça vient leur montrer que c'est pas facile de faire ça. Et de quelle manière ? De quelle manière ? Désolé, je m'enflamme. Bref, les amis, on va s'arrêter là. De toute façon, il y aura une vidéo d'enseignement demain, c'est sûr. Je sais plus, ce club me rend heureux de nouveau. J'aurais pas pu imaginer ça avec ce début de saison-là. Victoire difficile à Valence, victoire difficile au Rayo. Gundogan est parti. Cancelo est parti. Félix est parti. Tu te dis, ça va être compliqué. Le GOAT Romeo est parti. Comment on va faire sans lui? On s'arrête là. Les briefs commencent à aller dans tous les sens. Mais bref, je reviendrai dessus demain encore une fois. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Partagez la chaîne, donnez de la force. Bombardez-moi cette barre de like, s'il vous plaît. Bombardez-moi ce pouce bleu. Je compte sur vous. On se retrouve encore une fois demain. D'ici là, prenez tout soin de vous. Et à très vite.